Salut à tous, c'est Charcouille. Aujourd'hui on se retrouve avec My Last Friday, un jeu d'horreur qui vient tout juste de sortir. Enfin, qui vient tout juste de sortir, il est juste en démo. J'ai vu Squeezie jouer et bon, je vais pas regarder grand chose et ça va l'air intéressant. Donc je vais vous proposer ça aujourd'hui. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et c'est la rentrée, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, donc c'est parti. Difficulté, évolution normale, hein, on n'est pas des fous non plus. Ah merde, j'ai oublié un truc super important. Éteindre les lumières. Ouais, parce que sinon c'est pas flippant en fait. Alors, ce sera vite fini, je promets. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça me rassure pas du tout, la lumière éteinte en fait. On est dans une sorte de pièce. Ok. Oh là, j'ai trop de sensi, qu'est-ce qui se passe? Ok, là j'ai plus assez du tout en fait. Oh putain, c'est pas possible. J'espère qu'on peut le régler parce que sinon, bah non, on peut pas. Ah si, contrôle. Contrôle, mousse sensitivity. Ok, alors est-ce qu'il va falloir changer? Ok, j'ai fait planter. C'est pas mal, bien, bravo! Bravo, le jeu a planté, c'est bien! C'est bien, ça avance! Alors, donc on se retrouve dans. Ah, faut le mettre en QWERTY. Dans une salle de bain. Ok. Une porte, je peux l'ouvrir? Bah non, forcément, sinon ce serait trop simple. Une baignoire, on peut pas sauter? Bon, ok, on peut pas sauter, tant pis. J'ai vu Interact tout à l'heure. Interact. Wow. C'est bon, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a un visage dans le miroir, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ok, donc je suis bloqué par... Oh, une clé! Putain! Si c'est pas la clé de la porte, je comprends rien. Oh là là, mais c'est magique. C'est magique. Ok, Non, attends, on va refermer cette porte, hein. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une sorte de salon. Punish them with pain. Punis-les avec de la douleur. Ouais, d'accord. D'accord, c'est bien comme appartement, ça. C'est... Pas trop creepy. Donc on peut même pas s'abaisser. Je vais aller voir les touches parce que j'ai l'impression qu'on peut rien faire en fait. Avancer, interagir. Ok, d'accord. En fait, on peut juste des touches basiques quoi. Y a rien l'air d'avoir ici. Donc on va bouger. Une sorte de couloir. Avec un code à 4 chiffres. Ça sert à rien la date. Non, ça sert à rien l'aléatoire. De toute façon, il y a 4 chiffres. C'est mort. Une chaise. Ok, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ça? Des débris. Ok. Ok, non mais ça va. Bon, je vais retourner dans l'autre salle là-bas, moi. Hein, le salon, c'était correct. Putain, mais merde, quoi, on vient de commencer le jeu, il y a déjà des morts. Mais vous êtes sérieux? Ah non, je m'avance pas, c'est pas possible. Bon, allez, YOLO. Je peux prendre ton... Le mec, il a une sorte de couteau dans son bras. Ouais, la première chose que je remarque, c'est qu'il a un couteau à son bras et pas qu'il a plus de tête, c'est normal. On peut pas avoir une flashlight, quelque chose? Ah, j'ai vu un truc. Ah non. It's locked. Ok. Non. Ah merde, je peux pas. Oh putain, je vais passer par là. C'est quoi cette salle? Je crois que j'ai retrouvé le bras du mec, justement, auquel ils ont foutu une sorte de couteau, là. Ça doit être son bras, ça. C'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Oula, c'est quoi cette grande porte? Une sorte de... I need to remove the pillar to open the door. Donc apparemment, il va nous falloir une sorte de tournevis. Il y a quatre petits bitonios là. Ok, donc on va peut-être pouvoir trouver ça juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des boutons. Une porte fermée. Ça a l'air d'être sécurisé par une sorte de truc électrique. Il n'y a rien de toute façon. Donc à mon avis, il va falloir que je trouve la combinaison. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Des boutons. On va essayer au hasard, hein. On va tout allumer. Non, ça marche pas. Je sais même pas ce que ça a fait en fait. Donc le mec avec son...
Tant que le mec avec son couteau dans la main n'a pas bougé, ça me va. Il doit avoir un indice quelque part, hein, vu qu'il y a une sorte de code à 4 chiffres, on va peut-être trouver une feuille avec des chiffres dessus. Mais c'est quoi cette porte qui bloque là? Oh, 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 on va pas me faire chier comme ça. Hein. Du coup, dans la salle de bain de départ, est-ce qu'on avait quelque chose d'intéressant? Non. Non, non, non. Ok, bah, le temps que je cherche, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé durant, durant ces... Fou! Combien de mois? Moi, je sais même plus. Mais de toute façon, ça va aller très vite, hein. Il s'est rien passé. c'est pas marrant. Non, je suis toujours, toujours en recherche d'emploi, machin, machin. Toujours technicien, machin, machin. J'ai passé quelques entretiens. C'est bien. C'est bien, hein. Ça avance. Hein. Non, mais voilà. Donc, j'ai eu envie de reprendre. Pourquoi pas maintenant, vu que ça va être la rentrée. Donc bah, j'espère que les abonnés sont toujours au rendez-vous. Hein, je sais que j'en avais pas beaucoup, mais je crois que j'en ai encore moins maintenant. Attends. Et si j'allume que ceux qui sont rouges comme ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Ok, ça a changé quelque chose. C'est bien, ça a allumé la... Ça a ouvert la porte. Derrière, on a quoi? Who is the turned face now? J'ai trouvé la tête du mec dans les toilettes. Ils sont sérieux, là? Attends, on m'a toujours dit, ferme la porte derrière toi, on sait jamais. Ah, ça, c'est quoi, ça? I have to find the missing handle to turn this on. Donc, il manque une sorte de levier pour activer le truc. Alors, ça doit être le code de la porte 3562. Donc, 3562. Je peux pas lui rendre sa tête, non, parce que ça fait un peu. 3562. Alors, mais là, il va se passer un truc, c'est obligé. Genre, le mec, il va se lever, il va me poursuivre. Même pas. Ok. 3562. 3, 5, 6, 2. Mais ça marche pas! Ah, vous êtes sérieux là? Alors, si ça se trouve, peut-être que c'était à l'envers. Du coup, si c'était 3, 5, 6, 2, ça ferait. Ah non, c'est 7! Ah merde, putain, j'avais pas vu le point du milieu. 7, 2. Ah putain! Ah, par contre, je dis pas que j'aime pas ce jeu, mais qu'est-ce que j'aime pas les jeux où ils nous font pas courir? Bon, d'un côté, c'est un plus parce que ça veut dire que on se fera pas poursuivre par un monstre, ça c'est cool. Oh là là. Et je préfère qu'on puisse courir quand même parce que les jumpscares c'est pas trop mon truc. Alors, on est où là? Rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, ça se voit que c'est une démo quand même, on peut pas faire grand chose. J'espère qu'il y aura plus de fonctionnalités dans la version finale. C'est fermé. Ici c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est écrit? Death is gonna set them free. La mort va vous. Enfin, va les rendre libres. Ouais. Si tu veux. Moi j'ai pas envie de mourir, hein. Je préfère être. Ok. On va fermer les portes. Il y a pas l'air d'avoir grand chose ici. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai trouvé la pièce manquante pour activer le générateur. Donc là, je vois une sorte d'ascenseur. Enfin, c'est même pas une sorte, c'est un ascenseur. J'imagine que ouvrir le générateur, enfin allumer le générateur, va pouvoir, pardon, actionner l'ascenseur. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Nous allons savoir tout de suite. Ok, j'active le générateur. Vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de jeu où en fait ça va être que des énigmes et à la fin on va se prendre un sale jumpscare dans la gueule. Du genre il va venir devant nous, va nous déchirer la tête, c'est obligé, c'est ça. Vu qu'on peut pas courir, je vois mal autre chose. J'espère que je me trompe. Après c'est qu'une démo donc. Ah, le screwdriver. Maintenant, on va pouvoir aller ouvrir le panneau. Qui était, je ne sais plus où.
Un mail, je m'en fous. Du coup, c'était où? Le panneau. Oh putain, t'es sérieux? Oh putain, t'es sérieux? Le corps a disparu. Non mais c'est une blague. Justice? Mais en quoi c'est une justice? Le corps. Oh putain, son pied. Non, c'est son bras, pardon. Son bras est toujours là. Mais moi, j'ai pas envie d'ouvrir le. Non, hein. Oh putain, je suis sûr il est derrière. Putain, ça sent le jumpscare. Ah, on est dans la merde. Je recule. Oui. Est-ce que t'es caché? Ah, c'est quoi ça? Oh, le flashlight! I don't need this. Mais pourquoi tu me montres une putain de flashlight si je peux pas la prendre? Mais vous êtes sérieux? C'est quoi ça? Encore un coffre? Alors, un couteau. Oh putain. Oh putain, je peux me battre. Oh, ça tue. Attends, il fait noir là. C'est quoi ces gestions de lumière là? Oh. Alors, du coup, il y a une sorte de note sur le. Je peux pas découper le rideau? Non, il y a peut-être. Ok. 6. Minus with an extra stroke. Je sais pas ce que c'est stroke. Un X est assis à la fin. Qui est sur le siège du milieu? Je ne me rappelle plus. Un X à la fin. Ah, c'est une croix. Donc, attends. Donc, si c'est une croix. Ah non, c'est un X. C'est pas un plus. Ah, d'accord, c'est des. Donc, c'est un moins. 1 moins 9. Minus with an extra stroke. Ah non, c'est pas un moins. Merde. Oh, je me trompe de bouton. C'était un plus. Waouh, une clé, c'est cool. Pick up the elevator. Oh putain. C'était quoi ce bruit? C'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi. Donc là, on a ramassé la clé de l'ascenseur. Est-ce que je peux prendre. Putain, je peux pas prendre la lampe. Eh, c'est dégueulasse. Ah! C'est quoi ça? Mais vous êtes sérieux là? Le corps il s'est levé? Non mais. Oh! Ok, je vais rester dans mon coin en position fœtale. Je peux pas m'abaisser, c'est dommage. Ok, on va le combattre! Fils de corps! Ta mère! Ah, il m'a découpé! Attends, je peux même pas le combattre! What the fuck, c'est quoi ça? Ok, il a disparu. Ben, il a disparu, ben ok, bon bah, j'imagine qu'on peut. Putain, il m'a fait flipper! Ah, oh, ils ont ouvert une porte! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ils ont pas ouvert une porte, je suis débile, c'est la porte d'où je viens. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir non plus. Ouais, bah le corps est pas revenu à sa place, hein. Bah non, hein, ça serait trop simple. Ok. On prend son courage à deux pieds et on descend. Ascenseur, est-ce que je vais pouvoir. Oui! C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Oh, c'est fini! Ah, oh, c'est dommage. J'adore la musique. Par contre, tu pourrais m'emmener au menu, s'il te plaît, jeu? Merci. J'aimerais pouvoir bah, dire au revoir, par exemple. Ça pourrait être bien. Merci. Merci. Voilà, donc c'était My Last Friday. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était que la démo, hein. Je ferai sûrement une vidéo quand le jeu sera sorti, y a pas de problème. Même si les updates. Enfin, je sais pas s'il y a des updates en fait, hein. C'est la version 1.0.1. Alors bon, on a le temps, je pense, hein. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou à partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Et nous, on se retrouvera la prochaine fois pour je ne sais pas encore quel jeu, mais je vous promets qu'on fera plus de vidéos. Donc.
Toujours même menu, hein, des jeux d'horreur, du CSGO avec Dexter, des jeux AD, des jeux multi. Et voilà, donc je pense que le format sera un peu différent. Je pense que je ferai une vidéo par semaine parce que bah, au final ça me prend énormément de temps et je vois pas, enfin je le fais pas pour avoir des abonnés machin, sauf que ben c'est pas forcément utile de faire 3 vidéos par semaine, donc j'en ferai une par semaine et je m'en tiendrai à ça pour l'instant, et si jamais je vois que ça évolue, ben j'essaierai d'en faire plus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, salut à tous!